Hey, salut à tous les amis, c'est Lera Stragos et re-bienvenue sur Amnesia, A Machine for Pigs. Nous avons été sabotés, encore une fois. Et là maintenant, eh ben, pour remonter, ça va pas être pratique, sauf si bien sûr on trouve les escaliers, parce que bien sûr on a utilisé ça pour descendre. Donc il doit forcément y avoir un autre moyen de ressortir d'ici. Mais on est arrivé. On est arrivé ici. Ok. Donc d'accord, le mec qui était ici, il était attaché. Ouais. Nous savons les moyens de vous faire parler, monsieur. Ok. Ah, bien sûr. Là, ça me rappelle la partie également. Ah. Ok, une grenouille disséquée. Parfait. Ouais. Ah. Quoi? Ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Justement, ça me rappelle la partie... alchimie du premier Amnesia. Ok, donc il va falloir certainement des composants. Ah non. Ah, je peux plus, d'accord. Ah, des dentiers encore. Donc... là, t'étais bouché en surface et dentiste en dessous, d'accord. Alors, pour faciliter l'assimilation des groupes de tissus, un composé s'impose. À défaut, la liaison des cellules sera impossible. La mise au rebut des sujets non liés doit être immédiate, via incinération pour éviter toute animation sans forme. C'est désagréable. Un simple composé comprenant une infusion vitae de Brennenburg, d'une part, et d'un disperseur d'orgone de monade de l'autre, suffit. Ce composé peut alors être administré par voie intraveineuse au sujet, après réassemblage pour préserver la liaison. Le composé s'avère instable et hautement réactif à la lumière. Une fois dans l'organisme, la lampe de Schumann peut être utilisée pour l'activer, mais à l'extérieur, il est hautement corrosif. Il peut même détruire de petites quantités de métal. Oh mon dieu! Ok, mais... comment tu as su pour Brennenburg, l'orbe, les grantinés, tout ça? Il a parlé de son grand-oncle. Non, ça m'étonnerait que Alexandre, il ait eu un neveu ou un truc comme ça. Ah, ok. Ça s'est fermé. Où est-ce que va être la clé? Accès de maintenance. Il y a manifestement un passage de l'autre côté de ces portes verrouillées. Le cadenas est vieux mais solide. Et après cette chute, je ne peux pas compter sur ma force pour le fracturer. Je trouverai peut-être un autre moyen. Ok, ben, trouver la clé. Il va falloir trouver la clé. Et la clé doit être en bas. Parfait. Ah, encore une maquette de pyramide. Bien. Alors... hop, une note dans les tiroirs ou pas? Hop, un bouquin. Et des lunettes. Et là, y a rien. Ok. Alors, ah. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Apparemment, t'as l'air de mettre des trucs là-dedans. Hop. Là, ah, une centrifugeuse, d'accord. Ce drôle de dispositif semble servir à mélanger des composés chimiques et il s'en dégage encore cette épouvantable odeur. Il s'agit manifestement d'un composé, d'un mélange explosif de deux ingrédients. Je parie qu'ils ne sont pas bien loin. Ok. Ok, donc ouais, voilà, c'est là qu'il va falloir faire les trucs. Bien, bien, bien. Ok, bon ben... alors c'est quoi ici? Stockage basse température, bien. Et ici, enclos. Enclos. Oh. Ah. Ok. Ah, et ça c'est... ok, ça fait quoi ça? Ouais. Je ne vais pas aller dans les enclos, non merci. Je ne veux pas. Oh, oh, bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Oh, cette peur! Monsieur, vous êtes censé être dans les enclos, peut-être, non? Oh non! Et pourquoi vous avez disparu, monsieur?
Ok. Ah, d'accord. Ok. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Hop. Un avertissement. Il est en flamme, il brûle. Il saigne de partout, de l'avant et de l'arrière. Il se répand le long de mes jambes, du sang et des excréments. Mes poumons sont dans mon vomi. Hein? Les caillots de mes organes tombent sur la pierre souillée. Bois cela, dit-il, et j'ai bu. J'ai fait ça. À cause des changements, ils ont murmuré en moi. Mes dents se déchaussent et s'éparpillent telles des souris dans le noir. Impossible de toutes les récupérer. Je ramasse ce que je peux. Je les pousse dans mes gencives grises, mais mes ongles larmoient et tombent. Buvez, dit-il, cela fera baisser la fièvre, car tout le monde ne peut pas endurer le changement. Sur l'autre table, une couverture sous celle-ci, une créature. Je n'ai jamais voulu voir ce qu'il y avait là-dessous, mais elle a bu, elle aussi. Je l'ai entendu boire. Dieu tout-puissant, comment un homme peut-il perdre autant de sang et ne pas succomber? Oh mon Dieu! On est vraiment dans la chambre des expérimentations. Ah, merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ça sert à quoi? Ah, ok. Alors, et hop, on envoie. Ok. Par contre, ce qui me... Bon, j'espère également que lors de mon sursaut, je n'ai pas fait un bruit... Pourquoi c'est... La porte, enfin, il y avait pas un passage ici. C'est pas par là que je suis arrivé. Pourquoi il se passe des choses? Par contre, oh mince, oh mince, oh mince, monsieur, monsieur. Monsieur. Quoi? Quoi? Oh, bonjour monsieur! Au revoir monsieur! Oulala, 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 oulala! Vous avez essayé de me taper? Vous avez essayé de me taper? Non, monsieur, monsieur, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Ok, non. J'espère qu'il n'y avait pas de notes. J'espère qu'il n'y avait pas de notes. Il y a intérêt pour ta gueule. De cochon. Mmh. Mmh. Ah, ouais. Bon, déjà, je pense que il y a le saboteur. It fell onto his hands and they eroded in front of me. Ok. To stumps. To stumps. Ok. Next time we will use an equal mix of infusion vitae and orgone disperser. No, no, just take him out. You can dump him in the river for all I care. Ok. Donc déjà, je sais pas si, si c'est le saboteur qui a fait ça, mais j'aurais plus mis enclos ici que là. Bien. Enfin, après... Je sais pas, je suis peut-être en train de faire une connerie. Deux secondes. Hein? 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 Quoi? Quoi quoi? Mais... What the fuck là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ce bordel? Il y a un souci quelque part. Est-ce que lorsqu'on active ça ou qu'on active ça? Ok, là je suis vraiment perdu, confus là. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Si c'était en fait mon imagination ou... Si vraiment, c'est une... il y a une espèce de passage secret. Hop. Bon, je... Ah, ok. Bon, voilà. Il en manque un. Bon, je verrai en montant la vidéo si... j'ai loupé quelque chose. Ou pas. Il y a vraiment intérêt à ce qu'il n'y ait rien dans les enclos. Oh, bordel. Il y a des cages. Oh, bordel. Est-ce que c'était IRL ce bruit ou pas? Non, c'est pas IRL. Me dis pas qu'il y en a un qui s'est échappé de sa cage. Ou l'autre qui va arriver derrière moi.
Ça aussi serait pas cool. Silence, ne pas effrayer ou contrarier les acquisitions. Oui? Oh mince. Oh, oh, je vais pouvoir utiliser comme distraction. Oh mince, oh mince, oh mince. Ne pas faire de bruit. La 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 la. Quoi? Non, ma lumière n'a pas fait ça. La la li la. La la li la. Ok, des patates. Oh, c'est ouvert ici. Ah non, ok, je crois que j'ai fait un tour complet. Ou pas. Je sais pas. Ok. Est-ce que je peux entrer dedans? Non. Bon, bien. Attendez, il y avait une autre porte. Il y avait une autre porte. Ouais. 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 Ok, non, elle est fermée. Bien, bien, bien. Je prends ça. Parce qu'apparemment, je peux le prendre. Et il y a la porte là. Hop. Voilà. Voilà. Au revoir. Non, au revoir. Ok, voilà. Donc là, il sera obligé de m'arriver carrément là-dessus. Si jamais il y est. Ok, bonjour. Ah, ok. Un ours en peluche. Enfin, attendez. Ouais, non. Ok, hop là. Quoi? Monsieur? C'était peut-être mon imagination. Désolé, là je suis vraiment un peu stressé. Il y a de quoi. J'ai encore reçu des simples d'esprit aujourd'hui, les plus misérables spécimens de l'humanité que j'ai jamais vus. Personne ne demande où ils vont. Les autorités de Bedlam sont tout simplement ravis de se débarrasser de ces êtres grouillants et puants. Nous mesurons leurs crânes, vérifions leurs dents, nous leur administrons du laudanum pour les calmer. Ils attendent en ligne tel du bétail, les yeux sombres et la peau sale. Bon nombre se souillent eux-mêmes pendant l'attente. Ils accèdent au manipulateur en silence. J'entends le sifflement du gaz. J'entends le grincement sinistre des dents qu'on arrache. Des os qu'on remboîte, j'entends les porcs crier. Nous avons retiré tous les miroirs. Une fois le processus terminé, leurs reflets les perturbent énormément. Ensuite, lorsqu'ils dorment, je vais les voir. Je leur parle. Je leur murmure qu'ils sont mes enfants maintenant. J'ai à nouveau des enfants et leur forme imparfaite permettront à mon sang de couler à nouveau. De couler à... What? What? Où est ma fiole? Oh mais j'ai perdu ma fiole. Ah non, elle est là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh. Over there, place it in the corner. Ouais. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hog, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be. Ok. Ok. Oh. Ok, ça veut dire que tu m'invites? Attends deux secondes, hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je veux voir, moi, ce qu'il y a ici. Hein? Ok, non, il n'y a rien. Bien. Ok, bon. Ah, ok, voilà. Donne-moi ça. Ok, voilà, j'arrive. Hop. Ah. D'accord, c'est le masque de cochon qui m'a ouvert. Pardon?
Ah mince. Ah non, j'ai cru que je l'avais cassé. Attendez, y a Marc. Non. Ah non, je pensais que... Oh, oh mince, oh mince, oh mince. Je crois que j'ai entendu la porte s'ouvrir. Monsieur, ne faites pas ça. Je ne veux pas vous voir, monsieur. Oh, oh. Monsieur. Oh, bonjour, monsieur. Ok, au revoir, monsieur. What? Ah, ok, coucou. Ok, monsieur. Oh, mince. Ok, d'accord, là, il me poursuit, là, il me poursuit, là, il me poursuit. Et mince, il faut ouvrir la porte comme... What? 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 Mais c'est quoi ce bordel, sérieusement? C'était une illusion? Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est quoi ce bordel? Il a vanish? C'était mon imagination, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas du tout ce qui se passe là, mais... Je crois que vraiment... vraiment, je dois avoir mon esprit qui me joue des tours là, parce que c'est pas possible. Hop. Ah. Ok, donc... les monstres sont-ils réels ou pas? Peut-être que les prochains vont aussi me... enfin, qui vont vanish comme ça. Hop. Ne pas l'oublier. Toi, alors toi, t'as intérêt à me donner des explications vraiment là, parce que cette partie, c'est what the fuck. The lift has been sabotaged. You will have to find another way to the tunnel. Take care in this place, Mandus. It is the crucible of the evil that stalks these corridors. No shit, Sherlock. Sérieusement. You don't say. T'as cru? Ah purée, y a quelqu'un qui a crié. Tu crois que je le sais pas que c'est le bordel peut-être? Tu crois que je me suis pas pris assez de baffes de d'homme cochon comme ça? Quoi? Ok. Alors. Ah, ok, y a ça. Ok, on est là. Bien. Ah. Ça va me faire mal. Ah, oula, ouais, ouais, il vaut mieux pas que j'aille par là. Oh, ok, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, par contre, 2 secondes. Ok, non, 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 c'est bon. Non, c'est bon. Non, je veux pas faire une autre expérience. Parce que si jamais celui-là, il est réel... Eh. Ok. J'espère que le bruit ne va pas l'attirer. Je vais récupérer ma fiole. Et après, si tu veux, j'avance. Ah, ma fiole, ma fiole. Elle était là. Je sais même pas pourquoi ça nous fait grave ça. Je l'ai pas encore utilisé. Là, je vais l'utiliser, là. Là, je vais l'utiliser. Alors, est-ce que ça va l'attirer quelque part? Ok, ça fait pas tant de bruit que ça et ça se casse pas. Ok. Je pourrais la récupérer, s'il vous plaît? Hop. Merci. Oh! Les enfants? Les enfants? Ok. Ah, oh purée. C'est vous qui avez déposé ça? Ok. Bon, bien. Ok. Oh! Bonjour! Bonjour! Oh purée, oh purée. Quoi? 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 Ok. Ok. Ok, alors attendez, une note. Oh mon dieu. 4 août. Ah, 1898. De nouvelles expériences ont eu lieu avec le composé X. Je l'ai injecté à un chien avec de la strychnine. Ouais. Pris de convulsions et de spasmes, il est mort peu après minuit. Je l'ai plongé dans une immense cuve de composé X et y ai introduit un courant alternatif à l'aide de la bobine à induction pendant 3 minutes et demie. Il est partiellement revenu à la vie, mais le mal dont il souffrait avant sa mort n'a pas disparu pour autant, et la strychnine a continué d'agir sur le pauvre animal jusqu'à ce que je lui tire une balle dans le crâne. Et la noyade? Peut-être oui.
Elle passe pour être le plus doux des suicides. En cas de noyade, le remplacement du fluide contenu dans les poumons par du composé X devrait théoriquement permettre un retour à la vie. Hein? Si tu veux. C'est qui a dégueulassé les sols? Je dis juste ça, hein. Je dis ça, je dis rien. Après, le mec qui s'occupe de faire le ménage ici, il va pas être content. Où est-ce que je suis là? What? 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 Elle est passée où la porte? Eh, je me suis juste mis comme ça pour poser ça, et là d'un coup il n'y a plus de porte. Ok. Ok. Très bien. Ici non plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là on peut passer. Ok, hop. Là, 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 là. Là, là, là. On va pas poser de questions. Oh, ah, je suis revenu ici. Ok, d'accord. Bonsoir. Est-ce que j'ai besoin de ça par hasard? Il y en avait un deuxième. Parce que justement, au début, je m'étais dit, vu qu'il faut deux trucs, je vais aller par là, puis par là, et je récupérerai les deux machins là. Purée. Là, je sais. Et la porte ici a disparu. Eh non, mais là, il y a vraiment quelque chose qui va mal, hein, les gens. Ok, que je dois peut-être être un peu... Ah, non, ok, bon. De toute façon, il y en avait une ici, donc je comprends pas pourquoi ça m'a fait déplacer ça. On va récupérer ça. Youp. Eh ben, cette aventure est vraiment énorme. Hop, ok. Ah, merci de clignoter. Mais il faut pas mettre un truc là-dedans? Enfin, il y a déjà une fiole, tu vas me dire. Est-ce que ça va injecter les trucs là-dedans et après mettre là-dedans? Hop, et c'est parti. Ah, ça c'est sympa. Merci de fermer. Parce que vraiment, vraiment, j'aurais pas aimé que être interrompu. Ok, boum, 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 boum. Ok, attends deux secondes, j'ai noté quelque chose. Oui, pourquoi toi tu clignotes? Ok, deux secondes, je lis mon machin, ouais. Hop. Une cuvée capiteuse, j'ai trouvé le composé, il siffle et fume dans son récipient comme s'il était vivant. On dirait une gelée de sorcières brûlantes et corrosives. Curieusement, le récipient est en verre. Peut-être y a-t-il une raison à cela. Ce composé X ne doit peut-être pas être mis en contact avec du métal. Il me faut plus d'indices. J'ai entendu un bruit de... truc qui se soulève, là, une herse ou un truc comme ça. Ça, j'aime pas trop. Aïe, attention. Faut vraiment faire attention avec ça. Pourquoi tu clignotes, toi, sérieux? Y'a rien, et normalement ma lumière est censée clignoter également lorsque y a un cochon tout près. Ce qui n'est pas le cas. Est-ce que ce serait ça qui ferait clignoter? Aucune idée. Ah, ok, d'accord, je pensais qu'il aurait fallu que je fasse ça moi-même. Ah ouais, non. Ok, donc ça a dit que ça réagissait à la lumière. Hop. Ah. Oh. Ok, merci. Bien. Et quelles horreurs nous attendent ici maintenant? Et hop là. Ok, bon, déjà. Déjà qu'il y a ça. Et on y va. Oh. Faster, faster. Ah oui, ok, là d'un coup ils sont de nouveau là. Ça me rassure un peu. Ah, vous voulez que je descende? Ok, on va descendre dans ce cas. Hop. Non. Ok, bon là par contre il n'y a pas d'échelle. Et yolo. Ah. Ok, changement de zone. Ce monde qui fuit.
Tant de clous et pas de bois. Quel charpentier êtes-vous? Cette silhouette peut juste ouvrir les bras. Quelle force cela cache-t-il? Ah, là, apparemment, on est dans les tuyaux. Enfin, on est dans ces espèces de machins, là. Très bien. Youhou! Aïe. Je me suis dit, là... What? Ah mais c'est ce que je me suis cassé la... Ok. Est-ce que je me suis cassé la gueule? Peut-être. Wow, calme. Calme, Ah, ok, des os. Oh purée, il y a des mouches partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, encore plus de squelettes. Naturellement, une fois saigné, le produit doit être ébouillanté, gratté, ses poils arrachés, avant d'être suspendu à un crochet et viscéré. Pour ce faire, nous le soumettons à un bain de vapeur, maintenu à température constante, moyennant le transfert du surplus de haute pression des moteurs, via la chaudière, une série de gros tuyaux en cuivre, en direction d'une chambre en pierre située sous l'hospice. Au cœur de la machine se trouve un composant qui doit être maintenu à basse température et qui contrôle les opérations de traitement du produit dans tout le système. En plus de cela, la réfrigération est de la plus haute importance pour conserver la qualité du sujet et requiert la suppression de toute source de chaleur dans certaines zones de la machine. Deux problèmes sont alors résolus moyennant une même solution. La suppression de la chaleur issue de certaines zones et l'augmentation de la chaleur dans d'autres. Les panneaux conducteurs attirent la chaleur grâce au principe de convection régulé de la chaudière ainsi que l'envoi d'air froid le long de tuyaux dans un sens et de la vapeur bouillante dans l'autre. Là, c'est vraiment technique et compliqué tout ça. Ok, vraiment là. Oh. Isn't it dangerous allowing this filthy discharge to collect so close to the core? We can use the flow to drive the turbines. There will always be a torrent of excreta flooding through these tunnels. We can use this to supplement the steam production and ensure constancy. God, the stench! This fecal matter is the true product of the age. Ah, mais c'est du caca! C'est du caca! Ok! Et apparemment, je... Dans ce flashback, je parlais au mec. Ok, donc c'est un peu style comme dans le premier Amnesia, Alexandre Mince, comment il s'appelle? Et Daniel, d'accord. Ok, j'écris quoi? Oh, les tunnels inondés. Mon mystérieux ami avait raison, les égouts sont bien inondés. Pour pouvoir continuer à descendre, je dois trouver les écluses et faire baisser le niveau de l'eau. L'odeur est difficilement insupportable, elle me donne des hauts le cœur. Mais pourquoi le saboteur a-t-il inondé les tunnels? Quel était son but? Ok. C'est vraiment répugnant, hein. Ouais, bon. Ah, d'accord. Ouais, bon. Je suis out of time, les amis, pour cette partie, hein. Je pensais pas qu'on allait arriver dans des égouts, sérieusement. Ok. Bon, ben, la prochaine partie va sentir bon, entre guillemets, je sens. J'espère qu'il n'y aura pas de monsieur cochon ici aussi, mais bon. Ok, bon, allez. Merci à tous les amis d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Ça m'aide beaucoup et ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous appréciez ce que je fais. Je vous dis donc à la prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao! Bon, voilà, on est prêt, on peut y aller. J'espère que ça va pas non plus. Oh, oh purée. On va, hop, se mettre hors de leur portée. Oh purée. Oh là là. Faut vite que... Hop, je m'échappe.